Les tatouages aux Émirats Arabes Unis sont-ils légaux? Sont-ils autorisés? Peut-on avoir des tatouages, arborer des tatouages aux Émirats Arabes Unis ou faire des tatouages aux Émirats? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Les tatouages sont-ils légaux aux Émirats Arabes Unis? Les tatouages ne sont pas illégaux. Il n'y a pas de texte qui vienne t'interdire les tatouages, autant la personne qui en porte que la personne qui en fait. Donc il n'y a pas de texte particulier qui vient interdire soit le fait de faire des tatouages, soit le fait d'en porter. Donc vous pouvez tout à fait avoir des tatouages aux Émirats Arabes Unis. Cependant, la Dubai Economic Department, donc plus généralement les Émirats, n'octroient pas de licence, n'octroient pas d'autorisation aux sociétés de faire des tatouages. Donc il n'y a pas de licence de tatoueur ici aux Émirats Arabes Unis. Et c'est là qu'on va tomber sur une partie, enfin sur, en tout cas sur l'interdiction. Donc première chose, on peut avoir des tatouages, on peut arborer des tatouages, mais à partir du moment où vous voyez par exemple un espace, un local commercial pour faire des tatouages, là on va tomber dans l'interdiction parce qu'il n'existe pas de licence de tatoueur. Donc il n'est pas possible de proposer des services de tatouage aux Émirats Arabes Unis. Ceux qui le feraient, ceux qui feraient, qui proposeraient des services de tatouage n'ont pas évidemment cette licence puisqu'elle n'est pas attribuée. Et là, c'est là où on s'expose à l'interdiction. C'est là où c'est interdit, c'est illégal. Et c'est là où on s'expose à des peines. Et d'autant plus parce qu'on va toucher à tout ce qui est à la santé et à la sécurité publique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura, on va dire de manière assez brève, mais vous aura aidé sur le sujet. Parce qu'on me pose souvent la question du fait de porter des tatouages ici aux Émirats Arabes. Comment on s'habille aux Émirats Arabes Unis? Est-ce qu'on peut porter une barbe longue aux Émirats Arabes Unis? Si vous avez des interrogations de ce type, n'hésitez pas à me le dire. On étudiera ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.